Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review un petit peu plus courte, cette fois-ci sur le holster Swiss Arms, l'adapte X, le fameux, mais cette fois-ci en level 3. Alors accrochez-vous parce que ce holster envoie du pâté, c'est parti. Avant toute chose, je tenais à remercier notre partenaire Cybergun qui me permet aujourd'hui de vous présenter, eh bien tout simplement, ce produit, ou en tout cas ce holster. C'est un holster avant tout qui a été conçu pour les airsofters, mais aussi les forces de l'ordre, en particulier la version avec le level 3. Concernant le packaging de cette réplique, il faut savoir que, eh bien, écoutez, elle est emballée en tout cas dans, dans quelque chose de plutôt bien fini. En ouvrant la boîte, on retrouve tout d'abord le holster, alors le holster qui tiendra la réplique, une extension euh, de holster avec une petite roue dentelé situé sur le côté ainsi qu'une plaque de cuisse avec un revêtement caoutchouc à côté de ça on retrouvera des pièces en plus avec deux petites clés, vis et ressort. Et enfin, on retrouvera un fascicule d'utilisation. Il faut savoir que ce fascicule d'utilisation vous permettra en fait de comprendre euh, bien euh, comment installer et, euh, et faire en sorte que sa réplique puisse tenir dans le holster. Il faut savoir aussi également que ce euh, fascicule d'utilisation est tout simplement écrit en anglais, mais également en français. Très très bon point, mais pour comprendre euh, un petit peu plus facilement. Pour le packaging, et eh bien écoutez, c'est à peu près tout. Mais en tout cas, c'est plutôt complet. Il faut l'admettre cas donc euh, on est parti donc pour les caractéristiques alors le holster adapte x level 3 c'est quoi c'est un holster tout simplement qui va s'adapter tout simplement au droitier ou au gaucher grâce à ces différentes pièces qui sont fournies avec mais également aux roues dentelées qui sont de part et d'autre du holster c'est également un holster qui s'adapte à tout type de réplique, excepté les répliques trop imposantes de type Desert Eagle ou bien les revolvers. En clair, pour résumer, c'est un holster qui s'adapte à tout type de personnes, pour tout type euh, de configuration, tout type de style de jeu et pour tout type de réplique. Ce holster, vous allez pouvoir le retrouver pour un prix conseillé par Cybergun de 29,90 euros, on va dire 30 euros. Ceci dit, vous pourrez peut-être le retrouver un petit peu plus cher. Enfin voilà. Au niveau des coloris, on va le retrouver sous plusieurs formes. En coloris, coyote, on va le retrouver également en black donc en noir, un coloris ranger green, c'est-à-dire OD. On va le retrouver également dans une couleur un petit peu plus folle, j'ai envie de dire le rose, une couleur grise et une couleur bleue. Autant dire il y en a quand même pour tous les goûts et ça c'est plutôt cool. Au niveau de la longueur, il mesure 12,8 cm. Il fait un poids de 330 grammes et est constitué en plastique, c'est-à-dire en polymère plus exactement. Solster, ce cet Adapte X, c'est la version Level 3. Alors quelle est la différence avec le Level 2 Tout simplement, Solster, contrairement au Level 2, lui a été alors spécifiquement conçu pour la pratique de l'airsoft, mais également pour les forces de sécurité. Je m'explique. Le Level 3, vous l'aurez compris, il y a trois niveaux de rétention. Pour le Level 2, il n'y en a que deux. Alors quels sont ces niveaux de rétention Tout d'abord, on a un premier niveau de rétention, dit Passive, c'est-à-dire que tout simplement, la, la seule rétention passive que nous avons, c'est tout simplement la coque qui va épouser en quelque sorte la forme de l'arme ou de la réplique. La deuxième rétention active que l'on retrouve et qui est très connue, c'est celle-ci, celle qui se situe devant. Voilà, en appuyant sur le petit bouton, vous pouvez décrocher votre réplique. Et enfin, la troisième rétention active, c'est celle qui se situe à l'arrière du holster. Je vous fais voir, il se situe ici. Le petit bouton, contrairement à la rétention active à l'avant, est un petit peu plus allongé, comme vous pouvez le voir. Cela s'explique par une simple chose c'est que tout simplement, c'est notre pouce qui va venir appuyer sur ce bouton. Et quand on prend une réplique ou une arme en main, comme vous pouvez le voir, nos doigts sont situés un petit peu plus avancés. Contrairement au pouce. En clair, le pouce se retrouve donc plus court. Le fait d'y avoir pensé, ça va nous permettre d'éviter d'avoir à, à changer presque de position, de tordre son poignet dans tous les sens pour venir appuyer sur cette rétention. Et ça, c'est un super bon point qu'ils y aient pensé. Enfin, cette troisième rétention active, pourquoi elle n'est pas forcément utile du coup dans le, dans, dans le monde de l'airsoft Puisque tout simplement, c'est une rétention qui est adaptée un peu plus pour les forces de sécurité. Je m'explique, en fait, cette rétention, elle va permettre d'éviter les vols à l'arraché. Ceci dit, en airsoft, on va pouvoir lui retrouver une utilité. Les personnes n'utilisant pas forcément euh, régulièrement leur réplique de points ou ne se sentent pas forcément dans l'obligation euh, de, de la sortir rapidement, eh bien, euh, c'est peut-être une mesure de sécurité pour éviter de perdre sa réplique, tout simplement. Je pense euh, en particulier aux snipers qui ont tendance à être beaucoup plus lents dans leurs gestes et moins agressifs. Trois rétentions, dont deux rétentions actives comme celle-ci, eh bien, euh, ça peut éviter de perdre euh, sa réplique dans les forêts par exemple. L'avantage de ce holster c'est qu'il s'adapte sur huit positions en fait au niveau du corps. Pour cela il y a différents accessoires qui pourront être achetés séparément. Séparément on pourra acheter donc une fixation molle, une plaque de cuisse et un harnais de fixation pour ce holster. Autant vous dire que même après cet achat on peut envisager différentes euh, personnalisations euh, de la position du holster en quelque sorte. On a également et ça c'est bien pensé une, une extension de holster euh, comme vous pouvez le voir petite pièce qui se situe voilà ici qui va venir en fait tout simplement un petit peu abaisser euh, votre holster et donc votre réplique de point cela permet quoi cela permet tout simplement comme je l'ai dit d'abord un holster plus bas et donc de faciliter le dégainage en cas euh, où vous vous êtes en possession d'un euh, gilet euh, tactique, tout simplement, d'un JPC, d'un voilà, porte-plaque en, en règle générale. Grâce à ces roues d'enclés qui sont situées un petit peu de, de part et d'autre, on va pouvoir euh, également l'incliner un petit peu dans tous les sens jusqu'à 360 degrés. La plaque de cuisse, elle est plutôt bien finie. Le caoutchouc, ça va éviter qu'elle qu ne glisse et au contraire, justement, d'accentuer en fait l'effet de frottement. J'ai pu l'essayer avec plusieurs répliques, notamment un Glock 19, un Glock 17, un 1911, ainsi que... Un 226 que je n'ai pas ici en ma possession. Cependant, le Glock 17 que je possède ici me fait penser que, j'avais oublié de vous préciser, ce holster ne sera pas adaptable pour tout type de réplique disposant d'une lampe. Donc pour les amateurs de lampes, et eh bien écoutez, euh, il faudra vous tourner sur un holster euh, plus spécifique. Les pièces qui sont fournies avec Outre les, les clés à qui vont permettre de pouvoir modifier la position de votre holster, euh, les petites pièces que vous voyez en plus ici vont permettre en fait tout simplement d'inverser les boutons et donc de pouvoir passer ce holster euh, qui vous sera fourni en tant que droitier euh, que vous pourrez donc passer en gaucher. Au niveau de son utilisation, comment on fait pour changer tout simplement la, la, la forme, la position euh, du holster pour qu'il s'adapte à différents types de répliques A l'aide d'un tournevis, vous allez tout simplement venir plus ou moins serrer ou desserrer les vis qui se de part et d'autre du holster à gauche comme à droite en serrant ou en desserrant ces vis vous allez donc écarter le holster ou au contraire le resserrer vous allez donc pouvoir ainsi installer alors votre réplique une fois la réplique installée vous venez serrer les vis jusqu'à ce que jusqu'à ce que les vis se bloquent tout de même je tiens à conseiller éviter de serrer trop fort les vis puisque au contraire le dégainage de la réplique vous sera du coup plus compliqué Toutefois, il ne faudra pas s'attendre à pouvoir changer de réplique ou en tout cas d'adapter l'holster très rapidement. Ça prend mine de rien un petit peu de temps, puisqu'à chaque fois, il faudra desserrer et ouvrir le holster pour pouvoir insérer votre réplique, puis derrière, revisser les sévices. Ensuite, cette fameuse pièce qui est déportée, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elle est très très bien prononcée. Le problème étant que, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez fine. D'autant plus qu'elle est polymère, ça lui procure une certaine souplesse. Je vous fais voir, comme vous pouvez le voir elle a tendance à se tordre. Ce qui fait que lors du dégainage, après plusieurs tests, j'ai pu m'apercevoir que celle-ci, donc... Créer une flexion et au niveau du dégainage, c'est un petit peu gênant, surtout quand on est habitué à des holsters qui sont plutôt rigides. Il faudra donc peut-être un petit peu driller le geste pour s'habituer à cette flexion et faire en sorte eh bien que elle ne soit que naturelle. Autre petit défaut que je lui reproche, c'est son coloris. Alors, le coloris Coyote que je possède ici est un petit peu, n'est pas tout simplement très fidèle au, au vrai coloris Coyote. On est plus sur quelque chose un petit peu plus orangé, presque camel, j'ai envie de dire, et euh, ça me déçoit un petit peu tout simplement. Après, pas de panique concernant les autres, eh bien euh, les autres coloris, les autres camouflages, j'ai envie de dire, euh, ils sont plutôt fidèles. L'OD reste plutôt fidèle, le black aussi. Les autres, j'ai pas forcément eu l'occasion de les voir, mais en tout cas, euh, d'après ce que j'ai pu voir, euh, ça m'a l'air plutôt sympa. Je vous fais un exemple on a ici donc le coyote, et on a ici euh, une, un fast mag tout simplement de chez Tasmanian Tiger euh, en coyote. Vous voyez la différence. J'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, je vais être honnête. Pour moi, c'est vraiment mon holster coup de cœur. Je pense que personnellement, je vais m'en servir, même si j'ai un holster qui est plus adapté à la réplique que j'utilise. Je pense que je m'en servirai dans certains cas de configuration, parce que honnêtement, pour moi, c'est vraiment jusqu'à présent un holster que je ne connaissais peut-être pas forcément et que j'ai découvert grâce à Cybergun et je les remercie parce que pff, honnêtement, je, je suis quand même bluffé de, du, du système, de la technologie et du travail qu'ils ont fourni pour nous sortir ça à un coup. Je le répète, je le sais, mais pour pour un coût qui est tout de même très raisonnable. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous en voulez plus concernant ce holster, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement pourquoi, puisque nous allons sortir très prochainement une vidéo euh, en, en initiation, en quelque sorte, avec ce holster, où on va le tester dans plusieurs cas de figure, dans plusieurs configurations, dans différents euh, entraînements. D'habitude, j'essaye de faire mes reviews subjectives, mais là je dois admettre que... Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment un holster que je vais recommander. Bien évidemment, il y a des défauts, mais ça, c'est comme pour tout. Mais honnêtement, pour le prix, je pense que ce sont des défauts qu'on ne peut pas forcément lui reprocher. Si vous êtes intéressé pour en savoir encore plus concernant ce produit, mais également d'autres produits qui arriveront sur la chaîne que je viendrai vous présenter, eh bien, je vous invite à vous rendre sur la page Instagram de la Fad. Et euh, tout simplement, euh, allez vous abonner, ça ne coûte rien. On n'oublie pas, bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais de s'abonner à la chaîne YouTube. On lâche un like, on partage à son pote qui recherche un holster. Et, euh, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et puis Airsoft et bien.